C'est quand même un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et je suis doublement content. Je suis content parce que en tant qu'élève ingénieur, on ne peut pas rêver mieux d'une cérémonie avec des alumni de cette envergure. Mais je suis également content parce que en tant que passionné de géosciences, on ne peut pas rêver mieux d'un panel qui se tiendra tout à l'heure, Inch'Allah, sur le thème « Les industries extractives, l'impact de la COVID-19 et le rôle dans la relance économique ». Je tiens tout d'abord à saluer nos honorables invités ici présents par ma voix et par la voix de l'Amicale des élèves ingénieurs. Je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, on va commencer les activités par un discours d'ouverture du directeur de l'Institut des sciences de la Terre, M. Abdulaziz Ndiaye. On va poursuivre avec l'allocution du président de l'Amicale des élèves ingénieurs de l'Institut des sciences de la Terre. On va poursuivre également avec l'allocution du représentant de l'entreprise marine Grand Coast Operation. On va poursuivre avec la présentation de la marraine des journées, Mme Roselyne Baye Carlos, la présentation également du parrain des journées, M. Moussa Silla, et on va entamer le panel proprement dit, qui sera modéré par le directeur de l'Institut des sciences de la Terre. Et on va finir par des remises de diplômes et des cahiers de CPST1. Monsieur le directeur, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Madame Roselyne Baye et professeur Moussa Silla, saluez aussi les invités, l'entreprise marine GCO, représentée ici par M. Alioba et ses collègues, et aussi Abdulaziz Si, le directeur général de Teranga, qui vient participer à ce débat. Je salue aussi le président de l'Amicale qui est ici présent. Je commence par féliciter l'Amicale pour ces journées. La journée d'hier a été très intéressante, comme l'ont montré les débats sur la réflexion sur les 40 ans de l'IST, bilan et perspective. Aujourd'hui, vous proposez le thème « Les industries extractives, impact de la COVID-19 et leur rôle dans la relance économique au Sénégal ». Donc c'est un thème intéressant aussi parce que, comme les entreprises, le milieu éducatif a été aussi impacté par cette maladie et ça a suscité pas mal de réactions, d'adaptations qui constituent aujourd'hui des acquis qu'on peut transformer en avantage dans la manière de donner les enseignements. Nous reviendrons sur certains détails sur le thème. Lors de la modération, je m'arrête là en félicitant l'Amicale pour avoir choisi ce thème, pour avoir choisi aussi sa marraine et son parrain, qui sont des personnes de très grande valeur que nous apprécions à plusieurs titres. Hier, vous avez fait la biographie de ces deux personnes et je pense que on peut vous les offrir comme modèles. C'est des modèles pour tous les élèves de l'IST, les diplômés. La personne qui s'est ajoutée à nous aujourd'hui aussi en fait partie. Donc je pense que le débat sera intéressant. Il faut souligner aussi une chose, messieurs les étudiants de l'IST, les élèves ingénieurs, vous devez donner un exemple de ponctualité aux personnes que vous invitez. Un modèle d'engagement, hier il n'y avait pas beaucoup de personnes, aujourd'hui la salle n'est pas pleine. On démarre à 10h40 alors que c'était prévu à 9h et je pense qu'à 9h vos invités étaient là. Il faut faire des efforts sur cet aspect-là pour les prochaines fois. Voilà, je vous remets la parole en attendant. Merci beaucoup. Tout d'abord, on s'excuse de ce retard. Je pense que comme le directeur l'a dit, Aboubakri Nyandjo, nous ne devons pas être là après les invités. Donc c'est quelque chose à rectifier la prochaine fois. Donc j'espère que également que tout le monde voit ma tête parce que je suis un peu court. Voilà. Donc monsieur le directeur de l'Institut des sciences de la Terre,
Monsieur le docteur Moussa Silla, parrain des journées. Madame Rosaline Mbaye Carlos, marraine des journées. Monsieur le représentant, mesdames et messieurs les représentants de Grand Good Operation. Monsieur Abdul Azizi, directeur de Sabadola Gold et alumni de l'IST. Chers camarades étudiants, honorables personnalités présentes parmi nous, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole en ma qualité de président d'Amicale des élèves ingénieurs de l'IST pour célébrer officiellement ces journées scientifiques et culturelles. Comme de coutume, l'honneur nous est encore donné pour réunir la grande famille de l'IST après une longue période de peine liée à la pandémie du coronavirus. Ce virus, qui est un fléau mondial, qui a fini de mettre à nu les vulnérabilités de nos modes de fonctionnement, d'apprentissage, de travail, de production, de déplacement, bref, des interactions entre nous tous. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles, aux victimes de cette pandémie, et nous espérons bientôt tourner ces pages sombres de l'histoire de l'humanité. Ceci dit, nous souhaitons à tous la bienvenue, particulièrement aux nouveaux bacheliers qui ont eu le mérite de réussir avec brio le concours d'entrée à l'IST. Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations et les exhortons à continuer dans cette dynamique de travail avec bien sûr l'assurance de notre soutien et de notre accompagnement sans faille. La réussite est au bout de l'effort, a-t-on l'habitude de dire. Mais à l'IST, la condition sine qua non de la réussite des élèves ingénieurs reste le dévouement du corps professoral et l'abnégation du personnel administratif et technique. Donc à nos chers professeurs, nous rendons un vibrant hommage pour les multiples sacrifices en vue d'une formation de qualité. En effet, depuis 1982, l'IST forme des ingénieurs qui répondent aux exigences professionnelles adaptées au contexte local, sous-régional et mondial. Leur sens de la responsabilité et leur engagement à servir la nation, notre nation, avec dévouement n'est plus à démontrer. Par ailleurs, cet institut qui a formé tant d'ingénieurs géologues, certes les conditions de travail se sont améliorées ces derniers temps, mais toutefois force est de constater que des efforts importants sont attendus pour faire de l'IST une composante essentielle de la gouvernance des ressources naturelles. Il s'agit notamment de locaux dignes d'une école d'excellence avec des laboratoires bien équipés, une logistique de pointe conformément aux exigences actuelles. Donc mettre l'IST dans ses conditions optimales de travail pour lui permettre de réaliser sa mission de formation, c'est l'appel solennel que nous lançons à l'autorité suprême du pays, alumni de l'IST, Monsieur Macky Sall, son Excellence, le Président de la République du Sénégal, ainsi qu'aux autorités compétentes. À l'endroit de mes camarades étudiants, j'adresse nos encouragements, nos prières pour une année académique de travail, de réussite et de paix. Je ne pourrais terminer ce discours sans pour autant remercier le parrain et la marraine de ces journées, ainsi que l'entreprise marraine GCO pour l'accompagnement et leur disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Que la fête soit belle. Directeur de Sabadola Gold Operation, Madame Rosaline Mbaye Carlos, notre patronne, on va dire, du secteur minier, le professeur Moussa Silla, le seul président de l'Amicale des élèves étudiants ingénieurs, ou des étudiants ingénieurs, c'est bien ça.
chers camarades étudiants. Je vais dire étudiants parce que je suis encore étudiant moi. Bonjour. C'est pour moi un immense plaisir d'être là aujourd'hui, de prendre la parole devant cette auguste assemblée d'universitaires avec des savoirs et des profils aussi divers que pointus. Je m'en vais partager avec vous une expérience qui justifie grandement le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui. En 2018, alors que j'étais encore étudiant en master à l'Institut des sciences de l'environnement, un institut frère à l'IST, j'ai organisé avec mes camarades de promotion une activité pareille, qu'on avait dénommée la journée portes ouvertes à la RSE, pour le compte de l'ISE au CICES. Pour une première de ce genre à l'Institut, c'était loin d'être gagné. C'était vraiment une première pour nous, mais nous l'avons quand même fait et nous l'avons réussi. C'est là grâce à un soutien conséquent et très, très généreux de la Grande Corporation GCO. C'est à la suite de cet événement-là que j'ai été retenu, ou en tout cas pris en stage à la GCO, cette même entreprise, stage qui a été sanctionné par un emploi après les 6 mois que j'ai fait là-bas. Et c'est grâce à cet emploi aujourd'hui que je représente M. Daour Dien, un ancien de l'Institut des sciences de la Terre, qui est le directeur environnement, communauté, affaires publiques de la Grande Côte, qui est aussi notre président de conseil d'administration, obtenu cette semaine, et qui fait des ECO la première entreprise minière à être certifiée ISO 14001 au Sénégal. C'est une grande fierté pour nous, et je cesserai de le dire, il y a des efforts à fournir davantage pour maintenir cela et aller de l'avant. On ne va pas s'arrêter là, en si bon chemin. Pour terminer, la Grande Côte est plus que jamais engagée à soutenir de telles initiatives pour contribuer à l'éclosion de nouveaux talents capables de gérer l'exploitation de nos ressources nationales pour le plus grand bien du peuple sénégalais auquel appartiennent ces ressources. J'aimerais aussi transmettre un message à ceux qui sont en essence des diplômés ou ceux qui sont déjà diplômés. Parce qu'il y a à peine 2 ans, j'étais dans une situation pareille. J'avais mon diplôme, je n'avais pas encore un boulot. Le sentiment peut-être qui m'animait le plus, c'était un sentiment de peur peut-être, de crainte et de doute. Parce que souvent on dit que quand tu es au Sénégal, que tu as un diplôme, que tu n'es pas, en tout cas tu n'as pas un parrain politique ou tu n'as pas certaines relations, il est difficile pour toi d'avoir un boulot. Moi je ne les ai pas. J'ai pas de parents qui travaillent dans l'entreprise dans laquelle je travaille ou dans une quelconque secteur, en quelconque secteur, ni dans l'État. Mais j'ai réussi à avoir un boulot parce que j'ai croisé quelqu'un qui a accepté de me donner ma chance. Cette personne, c'est Daour Dien, comme je l'ai dit, qui est le PCA de la Grande Côte. Et je n'ai aucun doute que ces jeunes aussi, aujourd'hui, ils trouveront quelqu'un comme Daour Dien qui pourra leur donner cette première chance. Parce que c'est tout ce que les jeunes demandent. D'avoir quelqu'un qui leur donne une première chance. Parce que quand même, c'est très difficile d'avoir un diplôme et quasiment tous les offres d'emploi que vous voyez, on demande 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, c'est un peu compliqué. Alors c'est une situation qui est compliquée pour les jeunes, mais je n'ai aucun doute que le travail, ça viendra. Il suffit juste d'y croire, et puis voilà, de croire en soi. Et bon, merci beaucoup. Donc, j'avais préparé un petit mot à votre endroit. Je voudrais saluer ici la présence de Monsieur le directeur de l'Institut des sciences de la Terre, Monsieur Abdou Aziz Niaye, de mon professeur, le docteur Moussa Silla, de Abdou Aziz Si, qui est le directeur général de Sabodala Gold Operation. À ma gauche également, il y a Monsieur Aloune Badara Paye, qui est un alumni de l'IST, également secrétaire général adjoint de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Merci. Bien sûr, remercier l'entreprise marraine Grande Côte Operation qui a en tout cas permis de permettre la réalisation de ces journées. Donc, chers enseignants et membres du corps professoral, chers alumni de l'IST, distingués invités, en vos rangs grattes au protocole observé, mesdames et messieurs, chers étudiants, monsieur le président de l'amicale,
des ingénieurs, des étudiants de l'IST. C'est avec humilité et un cœur plein de gratitude et de reconnaissance que je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous exprimer toute la joie que j'éprouve de me retrouver au sein de la grande famille IST. Donc la famille s'est bien agrandie, je pense, et puis, depuis les premières années de formation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mes sincères remerciements vont d'abord à l'Amicale des ingénieurs pour l'honneur que vous m'avez fait en renouvelant le choix porté sur ma modeste personne pour co-parrainer l'édition 2021 des Journées culturelles et scientifiques de l'IST. Et ensuite, bien sûr, au directeur de l'Institut et à ses collaborateurs qui ont entériné ce choix. J'en suis d'autant plus fière que je suis marraine aux côtés du parrain de ces journées. Je pense que ce n'est pas le fait du hasard. En effet, j'ai eu la chance d'avoir toujours bénéficié de l'accompagnement et de l'appui du docteur Moussa Silla, qui a été mon professeur quand j'étais ici à l'IST. Ensuite, en qualité de directeur des mines et de la géologie au moment où je venais de rejoindre l'administration minière. Donc, pour votre information, il a initié et œuvré énormément pour la modernisation de l'administration minière et le développement du secteur minier en général. Aujourd'hui, moi, je le considère comme mon mentor. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour lui exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude. Les conséquences de la COVID-19 ont empêché, certes, la tenue de l'édition précédente à laquelle j'avais également été pressentie pour en être la marraine. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et surtout en mesure parfaitement la portée. Donc, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de rendre un hommage vibrant au corps enseignant de l'Institut des sciences et la Terre, de la faculté des sciences également, puisqu'on a des professeurs qui viennent de la faculté et qui ont contribué à forger les hommes et les femmes que nous sommes devenus. Par leur engagement généreux auprès de vous, nos jeunes frères et sœurs, de ces disciplines qui assurément sont nécessaires au progrès de l'humanité, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Mes pensées vont au professeur Ousseynou Dia, éminent directeur de l'Institut des sciences et la Terre, qui nous a quittés, puisse le Seigneur lui accorder le paradis. Nos pensées vont également, bien sûr, à nos frères, à nos sœurs qui nous ont en tout cas précédés dans l'au-delà. Et c'est l'occasion de présenter nos condoléances à leurs familles et surtout à ceux qui ont été endeuillés par la pandémie. Mesdames et messieurs, ces journées scientifiques et culturelles sont importantes à double titre parce qu'elles sont d'abord une occasion de raffermissement des liens entre ingénieurs et leurs aînés, entre ingénieurs eux-mêmes, mais aussi avec leurs aînés. Mais surtout, ça pourrait être un cadre de promotion des géosciences au travers des échanges qui se font sur des thématiques pertinentes que vous avez eu à proposer au cours de ces journées. Donc, il est important que ces thématiques qui sont débattues montrent l'importance de susciter des cadres de réflexion et d'échange avec les élèves, ingénieurs, qui bien sûr mesurent à suffisance le rôle qu'ils sont amenés à jouer maintenant pour le renforcement de la position de l'IST, mais aussi demain pour mieux comprendre et ainsi contribuer au développement du Sénégal. Le métier de géologue et tous les autres qui en découlent ont de l'avenir dans notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal, à travers sa stratégie de développement socio-économique, a misé sur plusieurs secteurs, dont le secteur des mines, grâce à sa capacité de servir de levier de croissance pour le reste de l'économie, à attirer des investissements directs étrangers et à être aussi un secteur pourvoyeur de recettes pour l'État. Aujourd'hui encore, il s'agit d'un des secteurs qui contribuent le plus au budget de l'État. J'ai à côté le secrétaire adjoint au niveau du comité national ITIE Sénégal. Le rapport ITIE de 2019 a encore montré que la contribution du secteur extractif dans sa globalité a été estimée à plus de 161 milliards, dont 132 uniquement par le secteur des mines. Ça pourrait être bien sûr renforcé, vous me direz, mais il est important de savoir que les défis
il y a des défis qui restent à relever pour, en tout cas, arriver au renforcement de la contribution du secteur minier au développement socio-économique du Sénégal, à travers notamment sa contribution à l'emploi. Bien sûr, les chiffres contenus dans les rapports que, dans le rapport que je viens de citer sont très modestes. Donc, il y a à ce niveau des efforts à faire. Je pense que ça a été le, disons, ce qui a été le plus partagé par les, ceux qui m'ont précédé, l'accès à l'emploi des jeunes diplômés. Donc, il est important que ce défi lié à l'emploi puisse être relevé à travers notamment plusieurs mécanismes et moyens qui sont la valorisation. Il nous semble en tout cas la valorisation locale des produits, des substances minérales peuvent aider en tout cas à élargir la chaîne de valeur des ressources minérales et bien sûr produire plus d'emplois. Bien sûr, la promotion du contenu local. Comment est-ce que les entreprises, les PME, PMI nationales puissent faire pour intégrer la chaîne de valeur du secteur minier? Et cela, nous y travaillons. Il y a en tout cas, fort du potentiel existant, des réformes qui sont en cours, mais des réformes à venir qui devraient permettre en tout cas d'amorcer des changements en rapport avec la fourniture d'emplois, mais également plus de retombées pour le pays, mais aussi pour les communautés qui sont impactées par l'exploitation minière. Mesdames et messieurs, donc étant devant vous, mes chers cadets, je me retrouve un peu face à moi-même lorsque j'ai fréquenté l'IST. J'avais le même âge, etc. L'exercice contraire pourrait également être envisagé par vous-même, c'est-à-dire voir en nous ce que vous pourrez être dans quelques années. Je ne suis pas certainement le meilleur exemple, mais voyez par vous-même les parcours que vos aînés ici présents ou absents, ce à quoi ils ont pu arriver à force de détermination et d'engagement. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais celui du président de la République qui a été à votre place est en tout cas une de nos plus grandes fiertés. En effet, les Bleus que nous étions, ne mesurions pas peut-être la volonté, la rigueur, le courage, le sacrifice et la persévérance dont nous devions nous armer durant tout notre cursus. Parce que quoi qu'on dise, c'est un cursus très très difficile. IST, je pense que vous le savez. Dès lors, ne sommes-nous pas, nous, vos aînés, les plus à même de vous comprendre? Comprendre vos attentes, vos inquiétudes et surtout vos espoirs. Dès lors, me semble-t-il, notre soutien et notre appui pour cette école est un devoir pour nous, les anciens, de reconnaissance. Elle existe certes, on en a discuté tout à l'heure, mais elle devrait se renforcer et trouver un cadre plus organisé en vue, en tout cas, d'appuyer davantage l'Institut des sciences et la terre, qui est quand même notre école et à qui on doit tout. Et je voudrais terminer en félicitant à nouveau l'Amicale et les organisateurs de ces journées, et surtout espérer que notre soutien et notre engagement pour le renforcement et le déploiement véritable de l'école, de l'Institut des sciences de la Terre, soit véritablement une réalité. Je profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers, les féliciter pour la réussite à ce concours, souhaiter à tout le monde, et surtout aux élèves ingénieurs, un succès, une très belle année académique et un succès à vos examens. Je vous remercie. Je voudrais vraiment remercier l'Amicale des élèves ingénieurs de l'IST pour le choix qui a été fait à ma modeste personne pour parrainer cette promotion. Et vous comprendrez toute l'émotion qui m'anime en étant en face de vous pour célébrer en même temps les 40 années de l'IST. Parce que il y a 40 ans, j'avais votre âge, l'âge des nouveaux bacheliers. Donc, à la limite, je suis quelqu'un dont la vie d'élève, la vie professionnelle, pour l'essentiel, se conjugue avec la vie de l'IST. Parce que, quelqu'un l'a rappelé, de 1987 à 2013, cela fait 26 ans. 26 ans, en moyenne, c'est la moitié
de la vie professionnelle de quelqu'un. Et ce sont les 26 années d'ailleurs les plus excitantes parce que justement, la première tranche de 25 années professionnelles, c'est véritablement là où on a le plus grand, donné le plus de soi-même, ou peut-être même l'expérience les plus enrichissantes, ce sont celles-là. Alors, je n'ai pas préparé de discours, parce que tout simplement, au départ, je n'avais pas connaissance de cette activité formelle d'allocution. J'avais retenu donc l'activité d'hier, où d'ailleurs j'ai été assez malmené par les jeunes parce que on a plus 25 ans, on a quand même 60 ans. Et donc ça a un peu trop tiré en longueur. On a raté la mosquée d'une part, et puis étant diabétique, hein, vous voyez un peu, ceci dit, c'est juste pour taquiner quoi. Hier, on a passé des échanges assez intéressants sur l'historique, le bilan et les perspectives de l'IST. Et aujourd'hui, le thème qui vous réunit aujourd'hui, je crois, est dans l'actualité. Lorsqu'on parle de résilience, secteur minier et résilience par rapport à la pandémie de la COVID-19, le sujet est vraiment d'actualité. Mais vous me permettrez d'insister également ou de souligner quelque chose d'assez remarquable sur cette table. Parce que la lecture que je fais de la composition de cette table, à la limite, cette table retrace quelque part des pans entiers de choses qui sont importantes dans ce que j'ai pu modestement faire et qui ont pu peut-être justifier le choix qui a été fait à ma personne. Parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir fait partie de la première promotion, d'avoir pu tenir le coup. Nous n'avions aucun repère devant nous à l'époque. Nous étions les cobayes, comme on dit. Mais nous avions pu compter sur l'engagement d'éminents enseignants et professeurs. Je veux citer le professeur Hussein Nudia qui nous a quittés il y a quelques mois. Si j'ai embrassé la carrière d'enseignant, je crois que c'est parce qu'il m'a guidé, il m'a initié, il m'a encouragé, il m'a poussé vers cette carrière. Ce que j'avais accepté, et j'ai suivi ses conseils, ce qui a expliqué un peu l'itinéraire que j'ai choisi en ayant me formé à l'école doctorale en France pour revenir immédiatement, avant même de terminer mon doctorat. Vous avez vu, hein, je suis sorti en 86, là, un an après, j'ai commencé à enseigner, jusqu'à la boucler ma thèse en alternance à l'époque. C'était une formule dont j'ai eu également l'honneur d'avoir été l'un des tout premiers bénéficiaires, qui permettait à des jeunes assistants d'être recrutés à l'UQAD et en même temps d'aller tous les ans, plus de la moitié de l'année, dès qu'ils ont fini leur cours ici, d'aller continuer des travaux de recherche. J'ai pu ainsi donc rentrer en 92 définitivement. Et je disais donc que les promotions les plus sur lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir également, il se trouve qu'il y a Azizi qui est à ma gauche. Et quand je suis rentré de ma formation en France, le professeur Dia et son adjoint qui dirigeait les études, Abdoulaye, m'avait fait confiance en me demandant de m'occuper des relations industrielles et de l'insertion des diplômés. Au-delà de l'engagement que je me faisais dans l'encadrement, j'avais également la charge d'organiser des visites de terrain, de voir les demandes des étudiants, de les mettre en vis-à-vis avec les possibilités de stage qui sont offertes, de prendre en compte également les sujets qui intéressent les compagnies, de voir avec les enseignants qui peuvent les encadrer, etc. Et moi-même, je m'investis beaucoup dans l'encadrement des étudiants. Et j'ai eu la chance d'avoir été donc le parrain de mémoire d'Aziz qui est là avec nous, et bien d'autres, bien évidemment. Et d'avoir également été acteur, ou en tout cas témoin de tout premier pas
parce que cette fonction aussi m'a amené à les suivre, hein, à les suivre, à voir comment ils font, comment ça se passe, les retours d'expérience. Et ça fait partie des expériences les plus heureuses qui m'ont définitivement convaincu de la pertinence ou de la qualité de la formation qui était donnée à l'IST. Lorsque, quelques années après, le retour d'expérience que nous avions de la part des employeurs dans les compagnies minières, lui c'était Randgold, ensuite il y a eu d'autres compagnies qui sont mis à s'intéresser au Sénégal. Il faut savoir donc que ça correspondait un peu au premier boom de l'exploration aurifère en Afrique de l'Ouest, la première ruée quoi, parce qu'antérieurement à cette période, l'Afrique de l'Ouest n'était pas une destination de l'investissement direct. L'exploration minière était plus le fait des gouvernements avec la coopération bilatérale. Et à partir de 92, le premier boom était là. Et eux, ils avaient la chance d'être diplômés, nouvellement sortis, et donc d'avoir surtout été les pionniers. Mais surtout, ce sont les pionniers qui ont montré la voie, parce qu'ils ont été vraiment très performants dans leur position, au point qu'ils ont été cités vraiment en bon exemple par les compagnies minières internationales. Aujourd'hui, cela. Personne n'est étonné de le voir un peu partout dans les compagnies minières, occuper les postes de responsabilité, directeur de l'exploration, country manager. Certains parmi eux-mêmes ont été expatriés vers d'autres pays de la sous-région. C'est pour dire que vraiment je suis quelqu'un je peux témoigner de la qualité de la formation à travers cette expérience-là dont un représentant est ici présent. Alors, c'est également l'expérience que nous avions vécue, Madame Carlos, qui a rappelé notre. Elle n'a pas tout dit, mais moi je voulais témoigner ici que quand je suis parti au ministère comme directeur, ce n'était pas dans mon parcours naturel. Je peux même dire que c'est un accident. En université, c'est vrai que ce n'était pas la première fois, mais ce n'était pas quelque chose. C'est un concours de circonstances qui m'a amené. Mais à une période 2005 où le secteur minier, en tout cas, connaît une période de récession après le premier boom des années 90, il y a eu une période de récession, okay, où on a eu un arrêt des investissements, un gel des activités plus ou moins. L'État du Sénégal avait réagi pour tirer les conséquences, pour tirer les leçons de la période écoulée, et il y avait un diagnostic qui était basé sur l'analyse de l'environnement juridique, qui avait abouti au constat qu'on avait intérêt à revoir le code minier de 1988. Et moi, j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir été dans le groupe de travail qui a élaboré ce projet de code, et lequel porte de 2003 vraiment a été un déclencheur. Il faut dire la réalité. En quoi? En ayant mis en place un dispositif légal réglementaire assez attractif, très attractif d'ailleurs, l'un des plus attractifs de la sous-région, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous ne sommes pas un pays avec une détention en ressources naturelles aussi importante que nos voisins. Hein, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire sont bien plus dotés que le Sénégal. Mais le code, grâce à ce code, on a pu enregistrer des résultats remarquables du point de vue de l'intensité de l'investissement, c'est-à-dire ramener à la taille de notre environnement géologique, ramener à notre potentiel. On a eu les niveaux d'investissement les plus élevés. Par ailleurs, la conséquence directe, c'est qu'on a fait énormément de découvertes comparativement à la période antérieure, dans le domaine de l'or surtout, mais également dans le domaine du zircon. Et donc, d'ailleurs, c'est heureux de constater qu'aujourd'hui, j'ai devant moi, à côté de moi en tout cas, l'entreprise GCO qui est marraine et l'entreprise Grande Côte. Moi, quand j'ai nommé les grands challenges que j'avais avec moi, en face de moi, c'était le lancement, la mise en place de ces deux projets. Je venais d'être nommé, il y avait juste que des conventions minières signées. Je prends les commandes pour implémenter véritablement les. Aujourd'hui, ce sont les deux projets miniers phares du Sénégal en termes d'investissement. C'est-à-dire la configuration du Sénégal avant et après ces deux projets, ça n'a rien à voir du point de vue minier. Rappelez-vous quand même, on avait une seule industrie minière digne de ce nom dans le domaine des phosphates. Les cimenteries, bon, on peut douter un peu si vraiment c'est du minier ou pas. Véritablement, l'activité minière, c'est Sabodala Gold, c'est GCO qui ont été lancés en même temps. Et j'ai eu la chance d'avoir été aux commandes. Et surtout, si j'ai pu réussir un temps soit peu, je le dois véritablement à une équipe, une formidable équipe, dont un représentant ici présent, c'est Mme Carlos.
Elle venait à peine d'arriver, je pense, à la direction des mines. Il y avait Mme Diane Rokhaya, il y avait Ousmane Cissé, il y avait Raymond Sagna. Parce que nous avions une administration minière avec une pyramide des âges assez particulière, où vous avez à côté beaucoup d'anciens qui sont proches de la retraite, des jeunes, mais des jeunes qui ont maximum 4-5 ans d'expérience. Ce sont ces jeunes-là sur qui j'ai pu compter. Elle parle de modernisation. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut moderniser avec les jeunes. Elles ont accepté de se mettre en question, accepté de se former. C'est ainsi qu'on a pu envisager et mettre en route un programme de formation. Et là, vous avez vu son parcours, le séjour à l'Est qui a été assez important dans la suite de sa carrière. Parce qu'il fallait véritablement que les ressources, au départ, nous sommes tous dans le même moule, hein, nous sommes formés à l'IST, mais il fallait quand même savoir que dans les mines, il y a d'autres capacités, d'autres compétences à développer. Et ils ont accepté d'aller se faire former. Et ils ont été véritablement à mes côtés des agents loyaux, dynamiques et vraiment très engagés. Et donc, véritablement, si on peut, en soit peu, au bout de 6 ans, il fallait que je fasse autre chose. On a pu engranger quand même des résultats remarquables. C'était le travail d'une équipe. Et donc, vous trouverez normal donc, que je sois d'autant plus heureux de constater que c'est avec elle que je suis parrain, je coparraine cette journée culturelle et scientifique. Donc, c'est tout à fait avec. Je me retrouve en face de vous pour partager ces quelques instants. Encore une fois, pour dire que quand vous avez des personnes qu'on vous indique en parrain, ce n'est pas forcément que nous sommes représentants de personnes, d'autres personnes qui auraient pu être des parrains et peut-être qu'ils le seront les années prochaines. C'est justement pour que vous sachiez que rien n'est impossible. Ne vous sous-estimez absolument pas. Sachez que dans la vie, il faut, quand on est en l'âge d'apprendre d'abord, c'est de ça qu'il s'agit d'abord pour vous. Il faut être extrêmement curieux, être ponctuel, quelqu'un l'a dit tantôt tout à l'heure, être engagé, motivé, avoir du respect pour l'environnement l'écosystème quoi, enseignant, et surtout avoir des plans de carrière, avoir des visions de ce que vous voulez être. Ensuite, la vie professionnelle, souvent il y a quelque chose qui déclenche. Il a rappelé Michel Ba. La rencontre qui a été décisive. Mais il faut savoir que, je pense que, ce qui a pu déterminer que Daoud Dien ait pu avoir, vous avez pu taper à son œil, je pense, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a retenu en vous ayant écouté. Donc, d'où la question du développement du leadership. Apprenez à développer votre leadership. C'est ça qui va faire la différence. Que ce soit au cours d'un entretien, au cours d'une allocution, comme... voilà, tout à l'heure, il a fait une prise de parole. Voilà, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler devant des personnes qui pourraient être des facilitateurs dans votre vie professionnelle, il faut savoir vous vendre. Hein. Vous vendre, ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est une façon de montrer que vous avez le savoir, mais surtout le savoir-être, le comportement. Ça passe par l'attitude, la façon... vous exprimer assez clairement, vous faire comprendre et ensuite montrer que vous pouvez aller droit au but quand vous parlez. Ça, c'est des choses qui font la différence en général. Et lorsque vous frappez à l'œil de quelqu'un, tout de suite, le choix peut être fait en votre personne. Et c'est comme ça d'ailleurs que la plupart du temps, le premier emploi, ça ne s'invente pas. Vous avez beau avoir le meilleur cursus. Oui. Le cursus, c'est une bonne chose, avoir de très bonnes notes, avoir un bon dossier. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus déterminant. Le plus déterminant, ça va être véritablement votre capacité à développer un leadership personnel. Et donc ça, c'est vraiment, c'est pas dans la classe qu'on vous l'apprend. Je sais que ça a été dit et recommandé. Il faudrait peut-être que dans les cursus, le nouveau cursus révisé, qu'il y ait de la place pour cet enseignant de développement personnel. Parce que aussi, il y a des gens qui sont naturellement... qui développent le leadership, pour d'autres, il faut un coaching. Et je pense que l'école, hier, on en a parlé, c'était le thème d'hier, quelles orientations. Je pense que ça, c'est quand même important de développer l'enseignement du leadership, tout comme l'anglais d'ailleurs, quelqu'un l'a dit hier. Lorsqu'on est dans le secteur de l'ingénierie de façon générale,
l'anglais est incontournable. Et l'anglais, c'est à la fois à l'école, certes, il faut revoir la façon d'enseigner l'anglais. Bon, tout est lié un peu à l'environnement. Si le jour où l'école aura ses propres locaux, ses propres laboratoires, il y aura vraisemblablement un laboratoire d'anglais, de langue. Mais c'est surtout, je le disais hier, développer également l'apprentissage dans l'État de l'anglais. Ça peut être dans l'entreprise, une entreprise anglophone où on parle anglais, je pense que dans les mines c'est souvent le cas, ou bien aller faire de l'immersion dans les pays anglophones. J'ai rappelé hier que moi, ma fille, je l'ai poussée à... Elle me disait, elle est partie au Ghana faire de l'anglais. Elle fait du management, mais au bout de 6 mois, elle revient. Je vois que son niveau d'anglais est important. Il faut être... On est en Afrique de l'Ouest. On a la carte de la CDAO avec votre paquet d'identité pour aller n'importe où. Un pays que je vous conseillerais, puisque ceux qui s'exercent aux mines, c'est véritablement d'aller faire un stage au Ghana, par exemple, hein, où vous pouvez véritablement apprendre l'anglais. Pas en Gambie, parce qu'on va parler Wolof en Gambie. Hein. Mais au Ghana, bon, voilà, c'est l'anglais ou rien, quoi. Et donc, vous voyez que c'est par ces canaux-là qu'on peut développer. Quelqu'un qui parle anglais, en général aussi, ça fait la différence par rapport à celui qui ne parle pas anglais, lorsque vous compétissez pour un emploi. Voilà un peu les quelques idées que je voulais partager avec vous. Encore une fois, dire aux jeunes bacheliers que à l'impossible n'est tenu. Hein, vous avez la chance de voir... quelqu'un a parlé du président de la République, bon, ça c'est vrai que ça n'arrive qu'une fois par siècle peut-être, ou pas. Mais il y a énormément d'autres exemples qu'on aurait pu donner, des gens qui ont brillamment réussi le truc, leur cursus, qui au départ, voilà, la base de leur formation, c'est l'IST. Tout le reste, voilà, c'est formation complémentaire, développement de leur propre leadership, capacité, développer une capacité à s'adapter là où ils ont été recrutés. Également, voilà, l'abnégation, le dévouement au travail, la loyauté. Et après, on progresse, véritablement. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, soyez confiants à l'avenir. Je pense que vous êtes dans un secteur qui, aujourd'hui, en tout cas, moi, je me rends compte que de plus en plus, dans notre environnement, tout le monde s'intéresse aux géosciences, aux mines, au pétrole. Le contexte aidant. On voit même des écoles de management qui prétendent former en pétrole et gaz. Je ne sais pas qui est derrière et qu'est-ce qui est fait dedans. Et aux étudiants qui pensent que c'est une menace, je dis non. Vous savez, hein, il faut savoir, les gens, il y a le discernement. Le discernement, c'est quoi? Moi, je dis à tous ceux qui... Je veux bien qu'il y ait la concurrence. Hein, plus il y a de fous, mieux c'est, comme on dit. S'il y a des offres de formation concurrentes, c'est l'émulation, que ce soit des initiatives privées. Mais sachez que dedans, il y a des formations qui prétendent faire ce que vous faites. Mais en réalité, il n'y a pas de raison d'être peur, d'avoir des craintes. Cela dit, l'IST ne doit pas dormir sur le laurier. Aujourd'hui, il y a de nouvelles écoles qui voient le jour, les SMG de Nyanjo. Ça, par contre, c'est une école publique. Qui a vocation à faire peut-être pas ce que vous faites, pas forcément, mais qui peut être un concurrent. L'IST a 40 années d'avance dans ce qu'elle fait. Et dans ce qu'il fait, il y a a priori, voilà, c'est quand même en longueur d'avance qu'il faut capitaliser, qu'il faut maintenir, pour considérer que, il faut se remettre en question sur beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune crainte que vous puissiez continuer à vraiment marquer le terrain, occuper le terrain dans les secteurs de prédilection qui sont les ressources minérales énergétiques, mais également l'aménagement du territoire, la géotechnique, l'eau, etc., où véritablement l'ISC s'est définitivement positionné comme école de référence. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Encourager les étudiants qui entrent à ne pas baisser les bras, à persévérer. Je sais que c'est dur, nous sommes tous passés par là. La réussite est au bout. Encourager l'amicale des étudiants à continuer dans ces initiatives et surtout les encourager à développer plus de collaboration avec l'association des ingénieurs qui peut également, à mon avis, qui doit jouer un rôle important. Rôle qu'il n'a pas pu jouer, il faut le dire, jusque-là, mais lié peut-être à une forme de léthargie qui l'a marqué depuis quelques années, et qu'on espère qu'à la faveur de sa redynamisation,
souhaiter prochainement, avec le renouvellement du bureau, qu'il puisse y avoir une nouvelle dynamique qui impliquerait plus les alumni dans un cadre plus formel et qui permettrait en fait d'aider l'école à mieux régler un certain nombre de questions qui ont été adressées hier. Je pense la question des stages, la question du coaching des étudiants. Je crois que ça, c'est des choses qui pourraient être développées lorsque l'amicale sera remise en selle. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire. Je n'ai pas trop abordé le thème de résilience. Je laisse ça aux acteurs du privé. Moi, je suis en cabinet. Les cabinets n'ont pas trop... C'est vrai qu'on peut en parler en tant que cabinet. La COVID nous a montré qu'on pouvait moins se déplacer et continuer à faire des études, à rendre des rapports, à même restituer des séminaires avec Zoom. Oui, on l'a fait, on apprend à le faire, et ça amène à se poser des questions dans la gestion des ressources, de la gestion du temps. Aujourd'hui, fatalement, on se rend compte que beaucoup de choses, la façon de travailler doit être complètement reconsidérée. Les rencontres physiques réduites au strict minimum, ça demande des adaptations. Il faut savoir donc... Même en interne, je ne parle même pas de l'étranger, en tant que cabinet, on apprend très vite que maintenant, bon, ce n'est pas parce que je suis un senior, mais je me rends compte que travailler à la maison, la plupart du temps, tu n'as pas besoin d'aller au bureau, quoi. Parce que si vous êtes dans les services intellectuels, les gens peuvent rester à la maison, faire le travail. Ça demande des modes d'organisation simplement. Et après, on se rend compte que. Voilà quoi. Et ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui est dans les services intellectuels. C'est vrai que les cabinets d'avocats, même en Europe, c'est une réflexion. Ils vont réduire la voilure. Les bureaux, ce n'est plus un immeuble, mais le site minimum. Et ça, c'est un peu la COVID qui a amené ça. Je crois que vous allez écouter les opérateurs miniers, comment ils ont pu se réadapter pour maintenir la production à un niveau acceptable avec la gestion du personnel, comment ils ont pu faire. C'est véritablement j'aimerais bien les écouter, tout comme vous d'ailleurs. Donc cela dit, je vous redonne la parole et vraiment vous remercie pour le choix fait à ma modeste personne, en espérant que, comme l'a dit Mme Carlos, dans quelques années, vont émerger des leaders parmi vous, parce que la vie, c'est un éternel recommencement, c'est une reproduction. Voilà. J'ai parlé du professeur Dia, qui a été mon mentor. Aujourd'hui, Mme Carlos me prend comme son mentor, et vous la prenez également pour votre mentor. Ainsi va la vie. Donc, c'est une éternelle reproduction, et il faut toujours... le sens qu'on donne à une vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire participer à la reproduction du système qui vous a vous-même produit. Merci beaucoup. Je tenais ici à remercier au nom des élèves ingénieurs de l'IST, M. Azissi, directeur de Sabatola, parce qu'à chaque fois qu'on organise ces journées, c'est lui qui fait le premier pas. Donc nous vous en remercions, nous exprimons notre gratitude. Merci. Donc, je reprends la parole encore une fois. Je pense que le débat est déjà bien lancé après le discours de Mme Carlos et l'intervention de professeur Silla. Alors, le thème, c'est les industries extractives, impact de la COVID-19 et le rôle dans la relance économique au Sénégal. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Silla, je pense que la table... au-delà des profils des personnes qui sont là, et aussi représentatif des différents secteurs. Il y a un bureau d'études, deux entreprises minières industrielles, l'une sur le socle, l'autre sur le bassin. Il y a l'administration, Mme Carlos. Il y a l'ITIE, qui assure la transparence de tout ce qui va se passer. Et aussi, il y a l'éducation, nous-mêmes, IST, parce qu'on a vécu ça. Aujourd'hui, en fait, les impacts, c'est surtout sur l'industrie extractive. Mais la COVID a impacté tout le monde dans le pays, au point que même les économies, aujourd'hui, on parle de récession, dans nos années de croissance qu'on a mis du temps et des efforts à bâtir, aujourd'hui, ont été complètement érodées, pour utiliser un terme géologique. Donc, en fait, les intervenants peut-être vont avoir des approches différentes, mais moi j'ai relevé
au niveau de deux niveaux. D'abord sur l'organisation du travail, comment les administrations se sont organisées. Il y a des organisations qui sont au niveau réflexion, un peu comme les bureaux d'études sur la partie non opérationnelle. Il y a les efforts de dématérialisation qui avaient déjà commencé avant même la COVID pour éviter les déplacements. Au niveau de l'entreprise, il y a les contraintes de présence, parce qu'une entreprise de production, les gens doivent quand même opérer. La robotisation aussi dans l'entreprise minière aussi a commencé, mais il y a quand même des limites. Et qu'est-ce qu'on peut faire à distance et comment ça va impacter sur la production? Parce qu'en entreprise minière, non seulement les personnes sont importantes, indispensables, mais leur productivité même est un critère de rentabilité. L'autre aspect de la réflexion, c'est au-delà de ces organisations, des impacts de la COVID, c'est d'ailleurs l'évolution de la notion de travail. Parce que je pense que de plus en plus, avec le digital, le numérique, l'Internet, les nouveaux métiers, la notion de travail est en train de changer. Le travail change de nature, donc doit changer de statut et doit aussi être managé d'une manière différente. Donc, dans des contextes comme la pandémie actuellement, certains secteurs connaissent des difficultés carrément, des licenciements ou des mises en chômage technique. Il y a la précarisation des diplômés par conséquent. Des études ont montré dans les économies où il y a une très forte corrélation entre l'emploi et l'économie. On a vu que les diplômés des périodes de récession pratiquement ratent leur carrière à cause de cette concomitance. Il y a aussi les attitudes des entreprises qui peuvent être évoquées, qui utilisent beaucoup de dispositifs pour reculer devant l'engagement en CDI. Est-ce que la COVID va amplifier cela ou pas? Il y a aussi des aspects positifs comme les opportunités pour les employés, le numérique comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que pour notre secteur des industries extractives, la mise en place d'un hub minier prévu dans le PSE peut faire pour renforcer l'employabilité, l'entrepreneuriat comme on a évoqué hier. Et puis globalement aussi il y a les impacts macroéconomiques du travail à domicile, parce qu'aujourd'hui on a vu qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde aille au travail et que ça impacte sur des éléments aussi éloignés que par exemple les embouteillages. Ce que ça coûte à l'État que tout le monde se lève le matin et qu'il truffise que la banlieue pour aller à Dakar et revenir, si on divise ça par 5, on irait même jusqu'à revoir le dimensionnement de certaines infrastructures de transport. Donc c'est pourquoi je parle d'implication macroéconomique de ce travail au domicile. Donc comme l'a dit Professeur Silla, moi aussi j'ai envie d'entendre les spécialistes de l'administration, de l'industrie. Peut-être aussi l'ITE va nous éclairer un peu sur l'impact de la pandémie sur ce secteur, parce qu'ils ont des statistiques et une vision un peu plus globale du secteur. Mais ce qu'on retient, c'est que de toute façon, des innovations sont apparues, parce que c'est lors des crises qu'il y a des innovations. Et la résilience, c'est peut-être la capacité à produire des innovations en temps de crise, parce que la résilience, c'est la capacité à absorber un choc. Donc ça, c'est un choc. On a eu beaucoup de décès, on a eu beaucoup d'incapacité. Des entreprises ont vu leur personnel réduit. Et donc, à partir de ces succès qu'on va évoquer, je pense qu'il faut tirer des leçons pour l'avenir. Je finis par l'exemple de l'université. En février 2020, par exemple, pour l'ISC, l'enseignement à distance, c'était pas dans nos habitudes. On n'avait aucun dispositif préparé, parce que notre option avec nos effectifs, c'est le présentiel. Mais il y a eu beaucoup de réactions qui nous ont permis de sauver l'année. On n'a pas eu d'année blanche. Au niveau de l'université, il y a eu des réactions. Le département de chimie s'est réorganisé. Ils ont transformé leur labo en unité de production de gel, qui a été distribué dans l'université. Le département de physique a mis au point des mécanismes
pour activer les tubes et des mécanismes de distribution de gel. Donc c'est ça que j'appelle les réactions. Peut-être ça pourrait déboucher sur l'emploi, parce que ces départements vont revenir à l'enseignement et à la recherche, mais ces mécanismes qu'ils ont mis en place peuvent être valorisés par des étudiants issus de ces spécialités. Voilà, donc ce que je voudrais dire comme introduction, vous allez assurer le passage de la parole ou bien je peux modérer et voilà, distribuer la parole. Ok, donc je pense que je vais commencer par honneur aux aînés, c'est Teranga, la première entreprise minière. Après, on passe la parole à GCO, après à Madame Carlos pour voir comment l'administration s'est adaptée à cette nouvelle donnée, et puis après à Pays de ITE. Donc, Aziz, je vous passe la parole. Merci. Tous, je voudrais vous remercier le président de l'Amicale, M. Baldé, qui était sous main derrière moi pendant toutes ces semaines pour participer à ce panel. Moussa Sylla a parlé de leadership et aussi de détermination. Il a su utiliser les canaux qu'il faut pour m'obliger à venir. Hein, Madame Carlos elle-même m'a appelé. Pourtant, j'avais reçu le mail le même matin. Je n'avais même pas encore réagi. Et puis la DMG m'a appelé. Et M. Ball a dit, c'est notre patronne, hein. C'est ma cadette ici à l'IST, mais c'est ma patronne parce que c'est notre tutelle. Donc c'est elle qui administre les projets miniers et j'en gère un au Sénégal. Donc vous avez fait aussi un bon choix sur, en tout cas, le parrain et la marraine de cette édition. De la même manière que Mme Carlos, Moussa Sylla l'a dit d'ailleurs, je devais le dire avant lui, c'est mon mentor aussi. Parce que c'est lui qui m'a formé, qui m'a encadré, qui était mon maître de stage. Donc je dois en grande partie ma carrière professionnelle à sa formation, son orientation. Il m'a accompagné hein, avec ses conseils, ses guides. À chaque fois que j'ai été confronté à des choix difficiles, je me retournais vers lui et en tout cas, il m'a toujours donné les clés. Donc, comme c'est une personne très ouverte, très disponible, j'appellerai à tous mes cadets ici, mes frères, de ne pas hésiter. Et ces conseils ont toujours été avisés et je peux vous assurer que moi, j'en suis en tout cas une illustration parfaite. Autour de la table aussi, j'ai mon ami et frère Pai, une référence aussi dans son domaine qui a commencé par l'exploration. Et aujourd'hui, au niveau de l'ITE, en tout cas, c'est le maître d'œuvre. Tout le monde reconnaît sa pertinence, son savoir-faire, son équilibre et aussi ses compétences techniques. Nous qui travaillons avec lui au moment de la préparation, d'élaboration des rapports de conciliation, nous savons combien il est rigoureux, sa rigueur professionnelle sont à saluer. Donc aujourd'hui, j'ai été invité, représentant du secteur privé, d'une industrie extractive, notamment le secteur minier et singulièrement une société qui s'active dans l'or, à donner mon point de vue sur l'impact, je ne sais pas s'il faut dire du Covid ou de la Covid. Pour faire honneur aux dames, je pense qu'on va le masculin, on va le rendre masculin. C'est le Covid, voilà, c'est ça. Impact du Covid. Apparemment, l'Académie française a dit que c'est la Covid, oui, je sais, oui, oui. Mais moi, je préfère dire le Covid quand même. L'impact donc du Covid sur nos activités et sur les industries extractives et aussi sur la relance économique. Quel rôle notre industrie va jouer pour relancer l'économie. Bon, je vais essayer de répondre à la dernière question parce que avant de rentrer dans les impacts, je me permettrai de définir d'abord ou de présenter l'entreprise que je représente et en la présentant et en indiquant la contribution de notre secteur dans l'économie nationale. Donc ça permet un peu de répondre à la deuxième question. Comment aider à relancer? Comme tout le monde le sait, hein, le Covid a vraiment mis à genoux
beaucoup de, d'entreprises, parce que déjà le monde a été bloqué. La première chose, c'est que les transports n'existaient plus, pendant toutes les frontières étaient fermées. Les entreprises ne pouvaient plus, en tout cas, fonctionner comme elles le devaient. Donc l'économie, vous avez vu même les projections au niveau macroéconomique des pays. Le Sénégal, par exemple, qui s'attendait à un taux de croissance, comme indiqué dans le PSE avec le plan d'action prioritaire, des chiffres à 6-7%, s'est retrouvé quasiment à 1%. C'est un impact considérable sur les projets publics. Et il a fallu d'ailleurs ajuster ce PAP qu'on appelle le PAP 2A, en tout cas le plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré pour faire face à la nouvelle donne. Ben, contrairement à la plupart des secteurs, nous, on a été moins impactés sur le plan économique. Je vais vous donner un peu nos chiffres de 2019 et je parlerai sous le contrôle de M. Paye. Comme je l'ai indiqué, il est très rigoureux. Donc, ce sont des chiffres certifiés. Non certifiés non seulement par nos commissaires aux comptes publiés, mais aussi ça a été certifié par l'administrateur indépendant de l'ITIE, donc publié de manière contradictoire. Donc, ce que je dirais ici, c'est des chiffres certifiés. J'aurais aimé présenter les chiffres de 2020, comme ils ne sont pas encore certifiés, et ils sont plus intéressants d'ailleurs. Et c'est ces chiffres qui indiqueraient le mieux, en tout cas l'impact, parce que 2019 n'a pas été impacté par le Covid, c'est plus en 2020. Mais dans nos chiffres d'affaires, bon, même si notre production a baissé un peu, les cours de l'or, eux, se sont appréciés nettement. En tout cas, le cours de l'or moyen en 2019, nous, c'était autour de 1400-1450. En 2020, le cours de l'or moyen, c'est 1850 $ l'once. Donc rien que sur cet aspect. Encore que nous, notre production bon, a baissé un peu. Ce n'était pas forcément lié au Covid, en partie oui, mais c'est plus lié un peu à la qualité des gisements qu'on était en train d'exploiter. Mais notre chiffre d'affaires de 2020 est de loin plus important que celui de 2019. Donc l'impact du Covid est un peu positif, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Pour certains, c'est difficile. Pour nous autres, c'était un peu une aubaine parce que les cours ont augmenté. Et non seulement les cours ont augmenté, les cours de l'énergie ont baissé parce que il n'y avait plus de transport, les usines la plupart des usines ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus d'avions, ainsi de suite. Donc, le pétrole, lui, a baissé. Si le pétrole baisse, donc nous, c'est 30% de nos charges d'exploitation. Donc, vous voyez que ça nous arrange en plus sur notre chiffre d'affaires. Donc, Sabodala Gold, opération que je dirige, est la filiale sénégalaise, j'allais dire du groupe Teranga Gold, comme Aziz l'a présenté, mais plutôt Endeavour Mining. Maintenant, comme vous savez, Teranga Gold a été racheté en février, ce qui veut dire que le Covid aussi n'a pas freiné la finance internationale. Les fusions-acquisitions se sont poursuivies. Nous, quasiment dans la même année, on est passé de l'acquisition de Massawa, qui a amélioré notre profil de production, à être nous-mêmes, notre groupe, être racheté par un autre groupe ouest-africain qui fait que donc on appartient à ce groupe Endeavour Mining, bien qu'une société de droit des îles Caïmans, donc de la Grande-Bretagne, mais une société qui opère en Afrique de l'Ouest avec des projets aujourd'hui au Sénégal, avec donc le projet Sabodala Massawa, mais aussi 5 mines au Burkina Faso, où on est vraiment le premier producteur et de loin le plus important contributeur dans l'économie de ce pays. En Côte d'Ivoire, avec 2 mines, bon, on vient d'en vendre une, la mine de Iti. On a aussi un projet très avancé au Mali, c'est le projet Kalana. On est présent en Guinée aussi dans l'exploration et au Niger. Bon, au Niger, c'est un projet à veilleuse, comme vous savez, c'est dans une zone un peu où il y a des activités terroristes, c'est dans le Liptako. Donc, on a mis. Donc, bon, en tout cas, très présent en Afrique de l'Ouest, 10e mondial, 10e producteur mondial d'or. Donc, aussi, ces leviers sont très importants dans la présentation de l'entreprise, mais Sabodala Gold Opération est le porte-étendard de ce groupe Endeavour. Donc, nos opérations sénégalaises, comme tout le monde le sait ici, se trouvent dans la région de Kédougou, où nous sommes le premier employeur avec près de 1400 employés, dont la moitié provient justement de la région de Kédougou. Bon, ceux qui suivent l'actualité ont vu hier une marche des étudiants ressortissants de Kédougou, et c'est ceux qui se plaignent justement du manque d'emploi. Et là aussi, bon, on a des pistes de réflexion sur 1400 employés, quand même les 700 proviennent de la région de Kédougou, c'est important. Mais comme tout le monde le sait, une entreprise ne peut donner que ce qu'elle a en fonction de ses besoins. Elle ne peut pas juste recruter pour faire plaisir aux
aux gens, mais on recrute quand la mine en a besoin. En revanche, la mine a des responsabilités aussi de participer au développement des communautés qui vivent au voisinage de ces opérations. Donc, on doit développer des modules et d'autres opportunités en dehors de la mine. Parce que à chaque fois qu'on dit mine, quand j'ai dit 1400 emplois, ça c'est des emplois directs. Mais pour un emploi direct, il y a toujours 5 emplois indirects. C'est-à-dire que la mine aussi a un pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat de biens et de services. Donc, utilise des sous-traitants et des prestataires de services. Ces prestataires de services, la plupart font leur activité qui est directement liée à la mine. Sans la mine, ces prestataires n'existeraient pas dans le transport, dans les consommables, j'ai parlé de l'énergie. Donc les employés de ces mines existent en partie à cause de la mine. Donc ce sont les emplois indirects. Aussi, s'il fallait en tout cas faire une comptabilisation plus précise des retombées de la mine, il fallait en tenir compte, mais aussi accompagner des jeunes. Moussa Sylla dirige aujourd'hui un cabinet d'expertise. Donc c'est une entreprise qu'il a créée où il embauche des personnes. Donc l'auto-emploi et puis financer ces activités, ça aussi c'est des impacts indirects de la mine. Donc pour revenir sur nos chiffres de 2019, on a fait un chiffre d'affaires de 190 milliards. Ça c'est pour montrer un peu l'impact du projet minier sur l'économie nationale. Et in fine, répondre à la question comment aider à tirer un peu la relance, l'activité économique. Donc 190 milliards de chiffre d'affaires en 2019, dont 120 milliards ont été directement dépensés ici au Sénégal. Donc il y en a qui se posent la question, où va l'or du Sénégal, qu'est-ce que ça rapporte au pays? Eh bien, l'or lui-même, je ne pense pas que les gens ont besoin de l'or physique ici. C'est plutôt les banques, même les dames qui portent de beaux bijoux. En fait, c'est une quantité marginale qui est utilisée dans la joaillerie. Mais le plus important, c'est les recettes, en tout cas provenant de la vente de cet or. Où ça part? C'est ça la réponse à cette question. Donc, en tout cas, 60% de notre chiffre d'affaires, parce qu'aussi on a des fournisseurs basés à l'étranger. On importe du cyanure, des gros équipements, il faut payer ces fournisseurs. Mais la grande partie de cet argent revient ici au Sénégal, donc 120 milliards sur 190 milliards, qui sont dépensés pour 78 milliards dans l'achat des biens et de services, dont aussi 34 milliards qui sont payés directement au gouvernement du Sénégal. Bon, Madame la directrice des mines et de la géologie a tout à l'heure parlé un peu de l'impact du secteur minier sur le trésor public. Bon, même s'il y a en tout cas des progrès à faire, et puis ça va venir avec les années, en tout cas dans le futur, mais rien qu'en 2019, Sabodola a contribué pour 34 milliards de francs CFA au niveau du trésor public, suivant des contributions indirectes, directes et... Nous faisons partie du top 3 des contribuables au Sénégal. Bon, le trésor public, les grandes entreprises qui financent, Sabodola en fait, je pense même le numéro 2 aujourd'hui. En 2020, après Sonatel, nous sommes le deuxième contribuable. Donc c'est très important ce que représente cette entreprise et le secteur minier dans l'économie nationale. Et en 2020, on est au-dessus de 40 milliards. Avec l'intégration du projet Massawa, il y a eu des paiements spéciaux qui ont été en entreprise. Et donc la note n'a pas été épargnée, même si les coûts de l'or ont augmenté, on a quand même subi ces conséquences de prendre des mesures palliatives pour faire face à ces mesures qui ont été mises en place par les gouvernements. Donc nous avons appréhendé la situation avec sérieux, sérénité et responsabilité, et nous avons mis en place un dispositif de prévention, de détection et de prise en charge pour à la fois préserver la santé de nos travailleurs, de leurs familles et des communautés voisines de nos opérations et maintenir notre outil de production en fonctionnement. C'était important que l'usine continue à produire tout au long de la crise sanitaire. Cela a évidemment impacté notre production au premier semestre de 2020 surtout, et nos coûts, mais la santé de nos employés n'a pas de prix. S'agissant de la gestion du personnel, en raison des restrictions imposées par le Covid, nous avions mis en place des protocoles de confinement depuis mi-mars, tout en maintenant notre outil de production en activité. Bon, j'ai même compris que ces mesures de confinement ont eu des effets sur, par exemple, Grande Côte. On a eu la réalité où nos employés, pour préserver leur santé, on les a mis dans des hôtels. Il y en a qui se plaignaient, apparemment. Bon, il y a eu des conséquences. Peut-être un exemple pourrait être cité par Grande Côte. On a eu aussi des états d'humeur, mais qu'on a pu gérer pour l'expliquer. C'était effectivement
pour le bien-être de tout le monde, que les gens soient suivis, en tout cas avant de rejoindre pour protéger le site d'extraction, d'être mis dans ces modes de confinement. Nous avons étoffé aussi notre équipe médicale et identifié et contracté avec plusieurs hôtels où nous mettions en quarantaine nos équipes de relève pour permettre la rotation du personnel qui prévoyait une période d'isolement de 14 jours pour les travailleurs qui doivent rejoindre les sites de production. Nous avons aménagé des heures de repos conformément au protocole de gestion de la fatigue et nos employés basés à Dakar, qui était l'épicentre de la pandémie au Sénégal, se sont mis en mode télétravail au mois de mars jusqu'à fin octobre. En fin octobre, on a repris le travail en présentiel, mais comme vous savez, la deuxième vague a repris au mois de décembre et depuis décembre, nous sommes repartis en télétravail jusqu'à aujourd'hui. Notre bureau de Dakar travaille un peu en distanciel. Donc, mais on a développé des outils pour permettre de le faire, comme l'a indiqué Moussa Sylla, avec les visioconférences, le travail, vraiment, on a, là aussi, c'est maintenant le numérique, comment s'adapter à ces situations. Pour la gestion de la production, bon, dans le but d'atténuer le risque d'éventuelle rupture d'approvisionnement, la stratégie adoptée consistait à augmenter autant que possible les stocks de pièces et matières essentielles. Parce qu'au début de la pandémie, il n'y avait plus d'avions qui circulaient. Bon, même les bateaux, même les frontières maritimes n'étaient pas fermées, mais avoir les pièces de rechange, c'était difficile. Donc, on a dû rapidement mettre en place des stocks importants pour faire face à cette éventualité. Et la logistique aussi pour les expéditions d'or et la rotation du personnel expatrié. Parce qu'une partie de notre personnel, par exemple, 5% des 1400 employés sont quand même des expatriés. Il fallait prévoir leur rotation, et c'était un défi majeur au début de la pandémie, mais malgré tout nous avons pu affréter des vols spéciaux pour organiser les expéditions régulières vers nos raffineries en Europe, mais aussi la relève de notre personnel expatrié avec cependant des coûts plus élevés. Sur la gestion des cas Covid enregistrés sur notre site, bon, comme je l'ai dit, on a d'abord commencé par la prévention, éviter autant que possible d'importer le virus vers Sabodala, parce que la région de Kédougou et nous-mêmes, le district Sabodala, c'est pendant longtemps une zone où il n'y avait pas de cas de Covid, et on ne voudrait pas que nous soyons les premiers à importer le virus à ce niveau-là. Donc on a fait des mesures de prévention, c'était ce qui justifiait les mises en quarantaine, le confinement de notre site. Malgré tout, bon, on se préparait quand même au risque. Ce n'est pas parce que vous avez mis toutes les mesures sur place que le virus ne va pas arriver. Et fatalement, il a fini quand même par arriver à Sabodala au mois d'août 2020. C'est au mois d'août qu'on a enregistré notre premier cas de Covid. Et on a dû le gérer rapidement, faire face à cette situation. Au 17 octobre qu'on a pu éteindre le foyer qui s'était développé à Sabodala au mois d'août. On a comptabilisé 220 cas pendant toute cette période, mais heureusement des cas asymptomatiques. Et en tout cas, on a aussitôt renforcé le dispositif sanitaire et préventif sur les lieux. Et nous avons pu compter aussi sur le soutien des autorités médicales national. Nous avons ouvert un centre de traitement épidémiologique qui a été homologué par le Comité national de gestion des épidémies sur notre site. Et au niveau de la mine, nous avons déployé aussi un laboratoire pour le prélèvement et l'analyse des tests réalisés sur les cas suspects, les cas contacts et les collègues en partance ou de retour de leur congé statutaire. Bien sûr, on a négocié avec l'Institut Pasteur qui a délocalisé en fait le laboratoire directement sur, parce qu'on voulait tester tout le monde qui sortait et qui revenait. Donc, il fallait avoir la logistique sur place et aussi gérer les cas qu'on avait pour le suivi. La grande majorité des cas Covid sur site ont été quand même asymptomatiques, comme je l'ai dit, et n'ont été détectés qu'à la suite des tests systématiques effectués auprès des employés et partenaires qui quittaient ou rejoignaient la mine conformément au protocole sanitaire que nous avons mis en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes au niveau de nos contributions sur l'effort de lutte au plan national? Nous avons bien sûr contribué, et notre contribution totale dans le plan de riposte national culmine à 673 millions de francs CFA qui sont répartis comme suit. On a directement donné un chèque de 480 millions au ministre des Finances comme contribution directe au fonds force Covid-19, donc pour permettre aussi de faire face mais aussi de relancer l'activité économique. Nous avons doté pour 65 millions de francs CFA le CHU de FAN d'un analyseur IFLASH 3000 qui permet de détecter les anticorps. Et aussi, on a fourni un équivalent de 10 000 tests de dépistage sérologique du Covid-19. Nous avons aussi investi pour plus de 130 millions de francs CFA
dans le renforcement des capacités du comité régional de gestion des épidémies de la région de Kédougou, avec la fourniture de matériel médical au district de Saraya et l'achat de vivres pour les populations, ainsi que le financement d'une campagne médiatique de sensibilisation au niveau local, parce qu'il fallait aussi, en tout cas, sensibiliser les populations pour le respect des gestes barrières, ainsi de suite, la dotation des gels et des désinfectants. Donc voilà un peu, monsieur le modérateur, de manière à ramasser l'économie de l'impact du Covid sur nos activités et les réponses que nous avons pu apporter à la collectivité et à nos collaborateurs. Je vous remercie. Mention en deux parties. D'abord, la présentation de Teranga. Je pense que j'invite les étudiants à consulter le rapport d'activité de la société et d'avoir l'habitude de consulter les rapports d'activité. Je pense que chaque année, vous devez au moins avoir les rapports d'activité de toutes les sociétés qui interviennent au Sénégal. GCO, Teranga, et aussi les cimenteries, les grandes entreprises. Je vous ai toujours dit que vous y trouverez des informations sur tout ce qu'il vient de citer, mais surtout aussi sur la géologie. Bon, pour la deuxième partie, on a vu que vous n'avez rien laissé au hasard. Il y a eu un programme, la gestion des RH, les APRO, la logistique, la gestion des cas et la contribution à l'effort national. Je pense que c'est une palette large de mesures qui ont été certainement facilitées par les moyens dont dispose l'entreprise. On va voir si GCO a fait pareil. Ils sont réputés être extrêmement rigoureux aussi. Je ne parle pas de période de Covid, mais pour entrer là-bas en période normale même, c'est tout un problème. Donc on va rapidement leur donner la parole pour voir ce qu'ils ont mis en place. Et voilà, continuer le débat. Trop m'inquiéter parce que le doyen et directeur Abdouaz ici a quasiment dit tout ce qu'il avait à dire sur ce thème, on va dire, pour le secteur minier, parce que quand même, nous sommes dans le même secteur, nos réalités sont quasiment les mêmes, et nos mesures de réaction face à cette pandémie-là, on va dire qu'étaient les mêmes. Hein, parce que pour GCO aussi, dès que cette maladie est apparue à un moment donné, il fallait prendre des mesures pour continuer à produire, parce que nous avions quand même des engagements qu'il faut continuer à respecter. Mais aussi, nous avons des engagements avant tout d'abord envers nos collaborateurs qu'il faut protéger, comme l'a dit le doyen Abdouaziz. Et pour mieux protéger ces employés-là, la meilleure stratégie que nous avions trouvée en dehors du renforcement des mesures sanitaires, qui sont déjà un peu dures, comme l'a précisé le directeur, hein, nous avions tenu à les renforcer, à renforcer notre équipe médicale aussi, pour mieux gérer cette situation-là. Et au mois d'avril, nous avons décidé de confiner quasiment la moitié de nos employés. C'est un peu conséquent, c'était pas du tout évident de confiner toutes ces personnes-là, parce qu'il faut avoir un camp, ces gens-là, il faut à un moment donné, ceux qui vont revenir, quand il y aura la relève, il faut les mettre en quarantaine, le temps d'être sûr qu'ils sont sains et tout, faire des tests PCR. Voilà. En tout cas, il y avait toute une batterie de mesures qui ont été mises en place par les services médicaux en interne, mais aussi en collaboration avec les services de santé de l'État et l'Institut Pasteur aussi, avec lequel nous avons travaillé durant toute cette période de confinement pour les tests. Voilà, en tout cas, en quelque sorte, les mesures côté sanitaire que nous avions pris, côté impact, notre production n'a pas baissé. Nous avons quand même réussi à maintenir cette production-là avec l'aide des collaborateurs qui avaient accepté d'être confinés et de continuer à faire ce travail-là, ce qui n'était pas du tout évident, parce qu'en dehors de l'impact sanitaire, il y a aussi un impact social. Les gens sont confinés pendant des mois, la pression, le stress, tout cela, c'était pas du tout évident, mais les travailleurs ont tenu à le faire et puis à continuer à faire le travail comme il se devait, ce qui nous a quand même aidé à avoir des résultats plus que satisfaisants pour l'année 2020 aussi. Alors, en dehors de ça, j'ai juste un peu intervenu sur l'appui aussi que nous avions mis à la disposition de l'État pour le fonds Force Covid. La Grande Côte avait participé à hauteur de 500 millions que nous avions remis au ministère des Finances.
Mais en dehors de ça aussi, nous, comme je l'avais dit plus tôt, nous avons nos communautés locales qui sont dans les paras. C'est des gens qui sont parfois un peu vulnérables, qu'il faut assister, que ce soit au niveau territorial, au niveau de la région de Thiès, du département de Tiwaon. ZCO a tenu à aider les services de santé de l'État, à les appuyer, que ce soit en masque, en produits, en tout cas gel hydroalcoolique, entre autres. Nous avons aussi tenu à soutenir les populations locales de Diogo et environ les villages qui sont là-bas, qui étaient très impactés. On les a appuyés en termes de denrées, de masques, aussi et tout ce qui allait avec, parce qu'il fallait quand même les soutenir, parce que tout le monde a suivi l'impact de cette pandémie-là de plein fouet. Et c'est un appui qui a été très conséquent. La direction a déboursé une somme conséquente d'environ 500 millions pour appuyer encore les communautés locales. Et voilà, en quelque sorte, ce que je voulais ajouter sur ça. Et remercier encore une fois le doyen Abdou Aziz. Fragile, avec des revenus faibles. Et comme l'a dit Aziz tout à l'heure aussi, vos interventions, c'est au niveau de l'entreprise pour assurer la production, mais aussi dans les environs pour réduire les impacts sur ces populations fragiles-là. Et je sens pas, je pense que j'essaie aussi à respecter la règle. Peut-être une question qu'on peut poser aussi, c'est est-ce que les mesures prises par rapport sur le plan de la gestion des ressources humaines vont impacter ces ressources humaines au-delà de la pandémie? Par exemple, si des personnes vont changer de manière de travailler, est-ce qu'il y a des emplois qui risquent d'être menacés ou bien? C'est une question qu'on peut poser. Mais je pense que toutes ces sociétés ont pris des mesures pour ce qui concerne l'outil de production. Ça n'a pas été impacté, comme l'a dit Aziz. La production a augmenté dans cette période 2019-2020. Alors, je vais passer la parole à Aline Badara Paye et on termine par l'administration. Jusqu'au quaternaire. Donc, je pense que c'est véritablement un très bon choix que vous avez fait. Et véritablement, on peut bon directeur, bon maintenant protéger quoi. Le DG va être dans le Mésozoïque, bon. Donc ça nous permet en même temps de réviser. En venant ce matin, je suis tombé sur deux documents. Malheureusement, j'ai après oublié de les amener. C'était une lettre de remerciement à l'endroit du directeur général de Sabodala Gold, M. Abdazissi, qu'on avait écrit en 2006, comme vous, pour le remercier justement d'avoir appuyé l'amicale dans ses activités. Donc c'est constant, c'est une vérité. Et il faut saluer cela, que les aînés continuent à le faire. La deuxième chose également, c'est que dans le même dossier, il y avait aussi Dr Moussa Sylla, qui j'ai failli aller à Alès. Hein. Donc c'est finalement moi qui suis allé à Sabodala continuer ma carrière professionnelle, mais j'ai failli aller à Alès. Et c'était sur la proposition du Dr Sylla. Donc je pense qu'il y a également cette constante-là. Il a toujours encadré les étudiants, il a toujours essayé de pousser à offrir le meilleur d'eux-mêmes, mais également le modérateur de ce panel, directeur Abdelaziz, c'était une rencontre choc. Moi, j'étais dans l'amicale, je m'occupais de la bibliothèque. Un après-midi, il est venu, justement, on a beaucoup discuté, il m'a ouvert les yeux sur les mines. J'ai aimé les mines à partir de ce jour-là. À un moment, j'ai tergiversé, je suis allé vers le pétrole, je suis revenu vers les mines. Et c'est en grande partie à cause de lui. Donc je pense que c'était un excellent choix en fin de compte pour ma carrière. Et ma grande sœur, directrice des mines et de la géologie, avec qui on partage beaucoup de choses, et avec qui on a beaucoup travaillé et on continue à le faire jusqu'à présent, véritablement, on est presque de la même génération et elle nous a toujours considérés véritablement comme un frère à guider et à conseiller. Et nous la remercions pour cela et nous sommes très heureux qu'elle soit marraine de ces journées-là, en même temps aux côtés du Dr Sylla. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et devant toute la famille IST, je présente également mes condoléances
pour la disparition du professeur Ousseynou Dia, paix à son âme, et pour tous nos disparus, tous nos morts, notamment de la Covid. Véritablement, c'est une période difficile et le thème est approprié. Mais on va saluer aussi la présence de mon ami et frère Tchali Faye, qui est juriste fiscaliste et qui, au dernier moment, a été contacté et qui a accepté de venir participer à ce panel-là pour qu'on aussi on ait une voix des communautés quelque part. Souvent, il est très engagé sur ces questions-là. La COVID, les impacts, il y a pour moi deux aspects qui sont extrêmement importants. DG l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'impact déjà sur le secteur extractif dans l'économie, c'est assez important. Même avec la COVID, hein, les 1,9% finalement qui sont annoncés par l'ANSD en début de mois comme croissance, chiffre provisoire de croissance de l'économie en 2020, c'est porté en grande partie par les industries et surtout les industries extractives, et de l'autre côté par la bonne tenue de la production agricole. Donc ces aspects-là, au niveau macro, il faut qu'on les garde à l'esprit. De plus en plus, c'est le premier poste d'import d'exportation du Sénégal, c'est l'or. Et vous voyez, même la physionomie de nos échanges commerciaux ont radicalement changé. Je disais la dernière fois pourquoi les Suisses viennent en visite officielle. C'est parce que c'est notre premier partenaire quand on regarde pratiquement les pays vers lesquels on exporte le plus. C'est à cause de l'or. Donc c'est parce que les deux raffineries qui traitent l'or du Sénégal se trouvent dans ce pays-là. Pour l'impact de la COVID, pour en revenir, il y a deux aspects. Les aspects négatifs que nous connaissons tous. Il y a un ralentissement de l'économie mondiale. D'ailleurs, notre taux de croissance en empathie. De l'autre côté, les chaînes d'approvisionnement aussi ont subi les conséquences du fait qu'il y a une connexion, une globalisation de l'économie mondiale. Une fois que la pandémie, c'est devenu une pandémie, la maladie est devenue une pandémie, donc tout le monde est touché, et tout de suite, avec les mesures de confinement, il y a eu des difficultés d'évacuation des minerais, d'évacuation ou bien d'approvisionnement en intrants ou en matériel, équipement des sites d'extraction ou des projets de développement. De façon globale, les miniers l'ont subi, mais aussi les pétroliers l'ont subi. BP a, à partir du mois d'avril, déclaré une force majeure pour la construction du FLNG, c'est-à-dire c'est le bateau qui va justement s'occuper de la liquéfaction et du stockage avant déchargement dans les méthaniers pour exportation du gaz qui sera exploité à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est des conséquences directes, hein, qu'on peut voir de la pandémie, mais également il y a une certaine baisse de certaines productions. C'est surtout le secteur artisanal qui a été impacté. Pour revenir au secteur minier, le secteur industriel à grande échelle a tenu bon. Ils ont tenu bon. Et avec, même s'il y a eu quelques baisses parfois de production, les prix ont compensé la baisse. Hein? La bonne tenue des prix du phosphate ou de l'acide phosphorique, les zircons ont un peu baissé, passant de le prix de 1500 en moyenne à 1333 dollars en 2020. Mais pour l'or, c'était l'effet inverse, parce que c'est une valeur refuge. Tout de suite, quand il y a une crise majeure, souvent, les gens se ruent vers l'or et échangent leurs actifs pour avoir de l'or. Et c'est cette donne économique qui a favorisé le fait que l'or a atteint plus de 2000 dollars. Et comme l'a rappelé DG tout à l'heure, le prix moyen, justement, plus de 1850 dollars, l'once. Et ce matin, la clôture hier, on était à toujours 1743 dollars l'once, ce qui est très appréciable. Chaque 31 grammes est changé à 1743. DMG restera contente parce que elle prélève la redevance minière, qui est l'un des premiers les postes de taxation ou de prélèvement les plus importants du secteur minier. Si les prix sont à un niveau appréciable, tout de suite le trésor public ressent l'effet sur la bonne tenue et les recettes. Aux dépenses sociales,
il y avait 10%, 300 millions, 10 à 15% qui étaient réservés véritablement à la santé, par exemple. Et là, la COVID nous a montré que c'était une priorité. Même si l'État a investi globalement 1% de son PIB dans la santé, tout de suite, les priorités ont changé avec la pandémie. On a vu que si on est malade, on ne va pas produire. Donc tout de suite, c'est devenu un moment fort de solidarité entre les sociétés et les populations de manière générale, mais également avec l'État. De l'autre côté, on a vu qu'il y a des aspects liés aux cours mondiaux. J'ai cité l'exemple de l'or, mais également, on peut voir que l'effet inverse, par exemple, sur le baril du pétrole, qui a baissé du fait qu'il y avait une surabondance de pétrole sur le marché international. Alors certes, il y a plein de mots que l'on peut décrier en termes d'impact de l'exploitation, autant sur l'environnement que sur des questions sécuritaires ou sanitaires, puisque vu les endroits où l'exploitation se déroule, en termes également de fiscalité liée à la production d'or, quand nous voyons ce qui se fait au niveau de, en termes de production, les statistiques au minimum, moi je pense que même ça, ce sont des chiffres peut-être qui ont été minimisés, mais le rapport de l'ANSD parle de 4,3 tonnes d'or qui sont en tout cas extraits, qui ont été extraits durant la période où s'est effectuée l'étude. Il me semble que ça peut aller au-delà, puisqu'on n'a pas peut-être d'autres études qui pourraient venir contredire ces chiffres, mais il est clair que, disons, les revenus qui étaient générés par l'activité et qui permettaient tant soit peu aux populations de subvenir à leurs besoins ont été complètement réduits à zéro. Et donc, c'est un secteur que l'État a voulu soutenir à un moment donné en octroyant un certain nombre d'aides alimentaires, mais également en mettant à leur disposition du matériel pour un peu essayer de diversifier et l'activité, c'est-à-dire les orienter vers d'autres activités génératrices de revenus telles que l'agriculture et autres. Nous remercions également, c'est l'occasion, il n'y a jamais assez de remerciements pour les entreprises du secteur privé, du secteur minier, qui ont eu à quand même contribuer à hauteur de plus de 6 milliards dans le fonds Force Covid-19. Donc, que ce soit SGO, GCO, les cimenteries, en tout cas, même les entreprises qui sont les prestataires, les entreprises qui sont en phase de recherche ont eu à contribuer dans le fonds Force Covid-19, ce qui a permis à l'État, entre autres fonds, de pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins immédiats pour un peu minimiser l'impact très négatif de la Covid-19 sur le quotidien des Sénégalais. Sur ce point également, pour l'administration, il me semble, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des aspects beaucoup plus stratégiques, mais en tout cas, dans l'organisation interne de l'administration, la COVID-19 a été une opportunité pour nous de revoir un peu nos méthodes, de nous engager, de ne plus nous engager dans la voie de la modernisation, puisqu'il y a quand même un programme transversal qu'on appelle programme de modernisation de l'administration. Et donc, utiliser des plateformes pour réaliser nos réunions, voilà. Je pense que, en tout cas, moi personnellement, il m'a semblé que j'ai plus travaillé pendant la période de la COVID-19 que pendant les années précédentes, puisqu'effectivement, on n'a plus de forums, plus de voyages, etc. Et que, véritablement, notre temps plein était dédié à la gestion de nos dossiers. Au plan stratégique, l'État, vous le savez tous, suite à aux conséquences négatives de cette pandémie, a mis en place le PAP 2, ajusté, accéléré. Ce PAP 2, entre autres priorités, des secteurs prioritaires ont été ciblés tels que l'agriculture, tels que l'élevage, puisqu'en définitive, on a compris avec cette pandémie, la fermeture des frontières, que nos États ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc, il faut miser sur le développement endogène. Et en misant sur le développement endogène, je pense que je rejoins ce qui a été dit de part et d'autre, que ce soit le professeur Moussa Sylla. Comment est-ce qu'à partir de nos ressources, on peut créer des chaînes de valeur qui peuvent impacter, puisque le secteur minier, qui a été retenu comme un secteur prioritaire, me semble-t-il, c'est parce qu'il a cette capacité à être un secteur, un levier de développement.
à partir du secteur minier, beaucoup de services, des tentacules. On a un secteur qui va être tentaculaire où beaucoup de domaines peuvent se rejoindre et créer, disons, un cadre de développement socio-économique qui peut même aller au-delà de la mine. Puisqu'en développant les compétences, on l'a dit, en développant les compétences, en renforçant le contenu local, je ne vais pas y revenir, les PME et PMI disposent de capacités techniques, mais également ont l'accompagnement en termes d'investissement nécessaire pour s'intégrer dans cette chaîne de valeur. Mais tout cela, bien sûr, doit être adossé à une politique cohérente. Je pense que c'est le point sur lequel le docteur Silla est beaucoup intervenu. Effectivement, les contraintes, vous l'avez bien remarqué, il s'agit des cloisonnements. Mais également, disons, il faut oser le dire, il y a eu des réformes, notamment au niveau budgétaire. On parle maintenant de gestion axée sur les résultats. On parle d'objectifs, on parle d'indicateurs, d'impact. Donc, mais malheureusement, ces programmes tels que ficelés nous ont, en tout cas dans la ligne directrice de l'État en général, nous ont cloisonnés au niveau département ministériel. Donc ça veut dire que nos programmes ne peuvent pas transcender des ministères et cela constitue véritablement un blocage pour le secteur minier. Quand on sait un peu, enfin, si on prend le cas du phosphate, le ministère peut octroyer des licences, le ministère peut demander que ça soit valorisé, mais l'industrialisation ne relève pas du département des mines. C'est un autre département. S'il permet de valoriser le secteur minier, le secteur extractif en général, comment les facteurs de production tels que l'énergie peuvent être mis à profit. Par rapport au projet Yakar Teranga, il m'a semblé en tout cas qu'il nous avait approché pour voir comment ce projet pouvait être mis à profit de l'industrie sénégalaise. Et je ne sais pas si les autres entreprises du secteur ont été approchées. En tout cas, dans leur démarche, il s'agissait de contacter toutes les entités, que ce soit la consommation au niveau local, mais également au plan industriel, quels peuvent être les besoins et comment le projet Yakar Teranga peut en tout cas soutenir le développement endogène et bien sûr, le renforcement de la valorisation de nos ressources. Et donc, c'est la solution à long terme. Et donc, pour cela, le secteur minier se positionne. Puisque nous avons au plan institutionnel eu quelques réformes, notamment quand on parle de la gestion du patrimoine minier de l'État, c'est dans ce cadre que la SOMICEN a été créée, Société des Mines du Sénégal, dont l'une des missions, c'est de gérer le patrimoine de l'État dans les entreprises minières. L'État est actionnaire à hauteur de 10% dans toutes les entreprises minières. Et donc, ces actions, entre parenthèses, sont des actions à titre gratuit, c'est-à-dire ça fait partie en tout cas des préalables pour la création de ces sociétés. Toutefois, l'État peut prendre pour lui ou pour son secteur privé une participation supplémentaire de 25%, mais à titre onéreux. Donc ce qui veut dire que malheureusement jusqu'à présent, on n'a pas été capable de capter cette possibilité, cette opportunité qui nous est offerte par le code minier, du fait d'absence peut-être de mécanismes et de visibilité du secteur privé national qui n'a pas souvent d'informations et des craintes par rapport, disons, les risques qui sont liés à l'exploitation minière. Il est vrai qu'il y a des risques, mais il est important que ces risques soient maîtrisés et de voir comment, en intégrant l'opportunité d'intégrer les sociétés d'exploitation peut être un plus pour nos entreprises. C'est dans ce cadre que SOMICEN a été créé et vient d'être d'ailleurs mise en place, vient d'être lancé. Ce sera l'occasion de regarder tous ces mécanismes et de renforcer la position de l'État dans l'exploitation minière. SOMICEN pourra prendre des permis. SOMICEN agira comme une société en réalité privée, une société nationale, quoi. Et puis, pourra avoir des titres, les développer, et l'État sera plus enclin à mieux négocier. Je pense qu'on a parlé des contrats, on a parlé des exonérations qui sont contenues. Je veux dire que les exonérations qui sont dans les conventions, ce ne sont pas des exonérations qui sont venues là-bas par hasard. Dans le cycle de vie d'un projet minier, on a la phase de recherche, bien sûr la phase de développement, etc., d'exploitation jusqu'à la réhabilitation.
en phase de recherche, il est nécessaire de soutenir ces entreprises. On est d'accord, je pense, là-dessus, que c'est des risques que les entreprises prennent en venant dans un pays sans aucune donnée, d'où l'importance pour nous, État, d'avoir déjà une mise à jour, un renforcement de notre infrastructure géologique et minière. Je pense que l'État également travaille dans ce sens. Après, au niveau de la phase exploitation, je pense que c'est bien encadré, que c'est durant la phase de réalisation des investissements qu'il y a un certain nombre d'exonérations. Je suis parfaitement d'accord. Une loi est perfectible. Et c'est dans la pratique, dans l'expérience et dans le retour d'expérience, que ce soit de la société civile ou des communautés, qu'on peut la parfaire. L'État est dans une dynamique de revoir le code. On avait déjà lancé le processus avec le docteur Moussa Silla, qui avait eu en tout cas à préparer et à nous aider dans l'organisation des ateliers préparatoires où plusieurs thématiques ont pu être développées et des recommandations fortes ont pu en tout cas être formulées par les acteurs. En phase d'exploitation, il y a des, disons, vous savez, il y a des, là, c'est des questions d'ingénierie financière aussi que nos collègues du secteur privé des fois mettent en place pour pouvoir bénéficier tout le temps des exonérations. On parle de, le jargon en anglais, je pense, c'est du refinancing, c'est-à-dire en même temps qu'on fait de la production, ça veut dire que les investissements, en réalité, la phase, nous, que l'on considère comme investissement étant achevée, il y a une autre phase d'investissement qui revient à nouveau, puisque la société prévoit des extensions, voilà, une augmentation de la production. Ça aussi, c'est des choses qui doivent être très bien encadrées. Je pense que dans la vie d'un projet minier également, le projet est appelé à se développer, à s'étendre, voilà, et à bien sûr à se pérenniser dans le temps. Et pour cela, on a besoin d'investissements additionnels. Mais dans tous les cas, je pense que nos collègues du ministère des Finances en sont aussi conscients que nous. Ces étapes de refinancing doivent être bien encadrées par la loi et dans le cadre des conventions que nous signons avec les entreprises minières. Les actions concrètes pour ce qui nous concerne, retourner vers les entreprises pour essayer d'avoir des conventions formelles pour nous renforcer sur ces aspects-là. On ne peut pas dire qu'elles refusent parce que sincèrement, on ne les a jamais sollicitées dans ce cadre. Et je suis optimiste qu'elles vont répondre favorablement. Parce qu'il y a eu l'exemple de GCO en 2015, où ils nous avaient financé pour 100 000 dollars. Mais je vous assure que c'est comme si on avait reçu des milliards, parce que ça nous a permis, entre autres, d'acheter des microscopes, de renouveler nos logiciels, de faire beaucoup de dépenses, d'équiper le labo de géotechnique qu'on avait mis en place avec un financement UMOA, mais qu'il n'y avait rien dedans. Donc et c'était une seule entreprise avec 50 millions. Donc si on sélectionne une short liste de 10 à 20 entreprises, je pense que beaucoup de problèmes seront réglés. Franchement, ces problèmes de stage, je pense que 2021, ce sera la dernière année où on va parler de problèmes de stage ou de labos mal équipés. Alors sinon, pour revenir sur ton intervention, je pense que nous sommes d'accord que ça a repris beaucoup de points qui ont été évoqués. Ça, on n'est pas dans une logique de questions-réponses, d'apporter des réponses à tous ces problèmes, parce que tous les intervenants ont souligné des problèmes qui concernent l'État, qui nous concernent, qui concernent le privé et sur lesquels tout le monde doit travailler. Donc vous avez apporté beaucoup de réponses sur ça. Effectivement, on s'en est pas rendu compte, mais on a fait presque 2h20 de débat. Et c'est toujours le micro n'a pas quitté la table, donc ça veut dire que le thème est vaste et bien choisi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu par rapport au temps et tenant compte des disponibilités. Malheureusement, deux intervenants parce que on a des contraintes de temps. Les deux premiers sont sanchés. C'est M. Wahaba qui va être le premier à intervenir. M. Wahaba, vous pouvez venir pour votre intervention. Le thème a été très bien débattu. Je prends la parole juste pour remercier tous les panélistes, mais je tenais aussi particulièrement à remercier M. Azissi aussi, comme le président l'a fait. Voilà, parce que je pense qu'aussi M. Baya a eu le vivre dans l'amical. À chaque fois que nous organisons ces journées scientifiques et culturelles, il y a beaucoup de pression qui nous anime quant à la réussite de ces journées-là, mais à chaque fois, SEO est là à nous soutenir à travers M. Azissi qui à chaque fois réagit en premier lieu.
Donc, nous sommes ici, nous vous remercions du fond du cœur et vraiment, nous voulons aussi que vous soyez des non-plaidoyers auprès des autres entreprises. Pourquoi pas aussi que les ECE aussi fassent la même chose chaque année et que les autres entreprises aussi fassent la même chose chaque année pour qu'au moins que cette pression que les élèves ingénieurs ont chaque année à organiser ces journées scientifiques et culturelles et sachant que au-delà d'organiser ces journées scientifiques et culturelles, tous les fonds qui sont tirés de ces journées-là ne servent seulement pas à organiser ces journées-là, mais au-delà de cela, ça sert aussi à soutenir les élèves ingénieurs de l'IST, tant sur le plan social que sur le plan pédagogique. Donc vraiment, vous tous, Madame la Marraine, qui est la directrice qui rencontre les ENPIS, M. Paye, nous aimerions vraiment que vous soyez nos plaidoyers auprès de ces ENPIS-là, en attendant quand même que le cadre de partenariat que le directeur qui est plus large que vienne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à M. Ba pour cette intervention. Nous allons maintenant appeler M. Mamadi Touré de Géomine. Voilà, c'est M. Ousseynou Sorna, le président de la commission sociale de l'Amicale des élèves et étudiants de l'ISC. Je suis accompagné du président de la commission pédagogique. Donc, nous voici au terme de la cérémonie officielle de ces journées scientifiques et culturelles. Donc, qu'on peut dire, nous sommes presque au terme de toutes les activités de ces cérémonies. Un an, on peut dire, le monde entier a été frappé par une pandémie. Aux conséquences néfastes dans tous les secteurs. Et le secteur extractif, qui est presque le domaine d'application des ingénieurs sortis de l'ISC. Donc, par conséquent, il était intéressant de soulever cette question-là, de voir l'impact de cette pandémie dans ce secteur, sur ce secteur du moins, mais aussi le rôle de ce secteur dans la relance économique, parce que ce secteur-là est un pilier important dans l'économie sénégalaise. C'est un secteur qui contribue beaucoup plus dans le secteur dans l'économie sénégalaise. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la filiale de l'entreprise Sabodala, par exemple, qui est le deuxième, on peut dire, financier de l'État du Sénégal derrière l'entreprise Orange. Hein, dans l'année 2020. Donc c'est un secteur qui joue un rôle très important dans l'économie sénégalaise. Donc il était très intéressant de soulever cette question. Et les panélistes ont bien développé ce sujet parce qu'on a eu aujourd'hui de grands panélistes et je pense qu'ils ont soulevé aussi des perspectives très intéressantes pour relancer l'économie sénégalaise de manière globale. Et je pense que toutes les perspectives qui ont été ouvertes serviront aux différents acteurs qui étaient aujourd'hui présents ici, mais aussi serviront aux étudiants dans leur projet de recherche et dans leur orientation dans l'avenir du Sénégal. C'est l'occasion aussi, en fermant cette cérémonie, de remercier l'ensemble des acteurs qui ont eu à intervenir dans la réussite de ces activités, à savoir le directeur de l'ISC, M. Azine Ndiaye, on le remercie vivement, le parrain du moins, Moussa Silla, Dr Moussa Silla, et la directrice des mines et de la géologie, Roselyne Baye-Carros, la marraine de cette cérémonie. Nous remercions également l'entreprise marraine, GCO, et nous remercions également l'ensemble des alumni de l'ISC qui ont participé à la réussite de ces journées-là, mais aussi l'ensemble des invités, ceux qui ont intervenu dans le panel, et tous ceux qui ont intervenu financièrement, moralement, matériellement dans ces activités-là. Et je vais m'en arrêter là pour donner la parole à M. Ismaël Etiam. Merci, PCS Sorna. Donc, comme il l'a dit, je suis Ismaël Etiam.
président de la commission pédagogique de l'Amicale des élèves ingénieurs de l'Institut des sciences de la Terre. Donc aujourd'hui, nous étions ici pour un panel ou bien pour l'ouverture de la cérémonie officielle de ces journées. Donc, comme nous le savons tous, on a débuté ces journées scientifiques et culturelles le jeudi passé. Donc, et aujourd'hui, c'était la cérémonie officielle ici à la salle de conférence UCAD2 où nous avions pu tenir un panel sur le thème les industries extractives, l'impact de la COVID-19 et leur rôle dans la relance économique. Je pense que Sohna a bien fait un debriefing de ce qui a été dit tout à l'heure car la COVID-19 a et a affecté le secteur extractif tel que le secteur minier. Donc, et il est aussi revenu sur les perspectives de ce secteur, tel que par exemple les panélistes ont développé la transition énergétique. Car le secteur extractif, certes, est un secteur qui contribue tout le temps à l'économie sénégalaise, mais nous savons tous que certaines ressources sont non renouvelables et sont exploitées ici dans le pays. Donc, et en phase d'épuisement de ces ressources, quelles sont les perspectives d'avenir pour le secteur minier, tel que ainsi, les panélistes ont développé la transition énergétique donc, et des stratégies mises en place pour orienter le secteur, mais le pays vers la transition énergétique. Et à part ça, je vais juste rappeler qu'il ne reste que deux activités, à savoir la grande finale des interclasses qui va opposer les IST2 et les IST3 ce soir à l'après-midi à 17h au terrain Duc. Et la nuit, nous aurons un dîner de gala à la place du souvenir. Et pour conclure les GSC édition 2021, je vais m'en arrêter là. Et nous remercions également l'ensemble des membres qui ont participé à la réussite de ces journées, mais également les entreprises marraines ainsi que le parrain et la marraine des GSC 2021. Merci.